Bonjour à tous. Merci à vous d'être venus, relativement nombreux aujourd'hui, pour cette rencontre de la Revue des études anciennes. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas la revue, peut-être quelques mots très rapides sur la Revue des études anciennes qui organise cette manifestation. Donc, la REA, puisque nous l'appelons ainsi, est une revue plus que centenaire, hein, puisqu'elle a 123 ans cette année, avec une publication continue depuis le début. Et c'est une revue attachée à cette université, puis attachée aux sciences de l'Antiquité, et à la vocation à publier des articles scientifiques assez pointus dans les différents domaines de l'Antiquité. C'est une revue qui s'est modernisée, bien sûr, qui s'est adaptée à l'évolution des savoirs, mais aussi à l'évolution de la diffusion des savoirs, qui se décline aujourd'hui, notamment aussi sous la forme d'un carnet de recherche hypothèse, dans lequel vous trouvez beaucoup de choses destinées à un plus grand public intéressé par les choses de l'Antiquité, les sciences de l'Antiquité. Et puis, c'est une revue aussi qui s'est, on l'espère en tout cas, modernisée par des manifestations comme celle-ci, des rencontres qui permettent de mettre en évidence des figures dans le champ des sciences de l'Antiquité, des travaux, des ouvrages et, pour reprendre la thématique d'aujourd'hui, des trajectoires. Je voudrais d'abord aussi remercier Audrey Lacroix et Anne Potel, qui sont personnels de la revue et qui ont permis aussi, avec leur efficacité habituelle, l'organisation de cette rencontre. Alors cette rencontre, elle nous permet aujourd'hui de recevoir John Ma, et je veux absolument le remercier de nous consacrer du temps dans son emploi du temps bordelais qui est très chargé, entre un séminaire de recherche hier soir à Ausonius et une soutenance de thèse à laquelle il participe cet après-midi. Eh bien, nous avons trouvé le moyen de le détourner un petit peu au profit de la Revue des études anciennes pour qu'il nous accorde un peu de temps pour nous parler de lui, de ses travaux et de ses recherches. Qu'il en soit vivement remercié, c'est un grand plaisir pour nous. Je ne vais pas dérouler ici la biographie complète de John Ma. Il dira ce qu'il souhaite dire sur son parcours, mais quelques éléments qui permettent de le situer dans ce champ des sciences de l'Antiquité. Je crois, John, que tu es professeur à l'Université de Columbia depuis 2015, après un parcours riche qui t'a vu fréquenter Oxford, à la fois comme étudiant, puisque c'est là que tu as soutenu ta thèse, mais aussi comme enseignant, et puis au préalable, encore aussi une expérience d'enseignement et de recherche à Princeton, aux États-Unis. Tu connais parfaitement bien l'Europe et tu connais bien aussi l'Amérique du Nord, bien sûr, et nous parlerons de tout cela. John est connu pour de nombreux travaux. J'en ai ici rassemblé quelques-uns que vous connaissez pour la plupart d'entre vous sans doute, que vous allez découvrir. Quelques balises, quelques turning points peut-être dans ta carrière et dans ton parcours intellectuel. Notamment ce premier livre sur Antiochos III et les cités d'Asie mineure occidentale, avec la version en anglais, publiée, me semble-t-il, pour la première version en 1999, voilà, et qui a bénéficié en 2004 d'une traduction française avec un texte augmenté, qui est aussi, bien sûr, disponible. Et puis, un peu plus d'une dizaine d'années plus tard, dans un autre champ de recherche, ce livre, qui n'est pas encore traduit en français, Statues and Cities, que nous avons ici, et qui permettait pour toi d'aborder des thématiques très différentes du premier. Nous y reviendrons dans un instant. Mais ces ouvrages ne sont que les éléments majeurs ou les plus visibles d'un parcours extrêmement riche sur lequel nous allons revenir en évoquant rapidement peut-être ton parcours académique, parce qu'il est aussi très intéressant, académique et intellectuel,
en essayant aussi de repérer les principales caractéristiques, les principaux thèmes de ton travail, ce qui l'alimente en termes de lecture, de recours aux sciences sociales, aux sciences du langage, en évoquant aussi, je l'espère, les champs les plus actuels de ta recherche. Nous avons appelé cette séance masterclass précisément, pas par goût de l'anglicisme particulier, mais simplement parce que ça nous semble aussi correspondre à l'esprit que nous avons voulu donner à cette rencontre, c'est-à-dire celle d'un dialogue dans une certaine mesure, et il est évident qu'il faudra garder dans ce moment un temps de questions que vous pourrez donc poser à John et d'échanges, ça nous semble aussi essentiel. Peut-être qu'on peut commencer, je te laisse la parole si tu veux apporter une précision sur ce premier tableau, premier... Non, merci Laurent. Juste quand tu as dit mon emploi du temps bordelais, j'ai pensé que tu allais dire quelque chose d'autre, mais je suis content que ça finisse par lait et pas leak. Donc, merci. Alors, dans ton parcours, il y a une formation qui est délibérément internationale. À la fois en Angleterre, au Royaume-Uni, aux États-Unis, mais aussi en France et en Allemagne, et une formation qui a accordé, et on le voit dans tes travaux, à la fois dans ce livre et le premier sur Antiochos III, une formation qui a accordé une place toute particulière à la question des sources, au lien direct, au rapport direct avec les sources, et en particulier à l'épigraphie. Tu sais sans doute que c'est aussi une préoccupation que l'on peut avoir dans cet établissement, avec des épigraphistes émérites comme Pierre Frelich. Est-ce que tu peux nous expliquer ou évoquer en quelques mots ce rapport à l'épigraphie comme discipline, et dans quelle mesure cette formation-là a orienté tes travaux dès le début et peut-être jusqu'à aujourd'hui? Non, je ne sais pas quoi dire en fait. Il faudrait. C'est une question très difficile. Je vois tellement de réponses qu'on pourrait donner. Mais comme tu sais, quand on commence à faire de l'histoire de l'Antiquité ou des classiques, il y a toujours ces deux voies. On peut lire des grands textes, on peut lire du Thucydide, on peut lire Hérodote. Ou bien on peut lire qui nous raconte des histoires de gens célèbres et de grands événements, ou bien on peut lire des textes épigraphiques qui nous donnent une sorte d'impression de vérité ou de vie. Donc par exemple, dans mon cas, j'étais complètement soufflé de lire un texte qui m'obsède, c'est-à-dire le texte qui vient de la petite île d'Héracléia, donc près de Naxos, où les gens d'Héracléia se réunissent, passent un décret où ils décident de ne pas élever de chèvres. Ils disent, c'est une histoire très grave, ça a à voir avec la sotéria de tout le koinon. Alors c'est Louis Robert écrit là-dessus, Christy Constantakopoulou a écrit un article dans la ROA justement de 2012. Mais c'était c'est une toute petite île qui fait donc 16 km², et c'est le seul document qu'on a. C'est comme un météore, une météorite, où on a un petit incident, comme ça on voit une cité qui essaye vraiment de dire, alors qu'est-ce qu'on va avoir? C'est ce que dit Louis Robert. Est-ce qu'on peut avoir une île avec peu de gens riches et beaucoup de chèvres, ou beaucoup de gens et peu de chèvres, ou pas de chèvres? Et en fait, c'est vraiment la politique qui va nous aider à décider. Alors, évidemment, cette impression de vie, c'est aussi une illusion, parce que il y a eu un choix, il y a eu le choix de l'écrire, c'est Patrice Bras qui disait qu'une inscription, c'est toujours des gagnants qui l'ont laissé. Les perdants, ceux qui voulaient garder des chèvres,
les esclaves, les femmes, tous ceux qui n'avaient pas leur mot à dire, ils ne sont pas présents dans l'inscription. Donc c'est également, c'est en fait un document qui est aussi élitiste à sa manière que les textes littéraires. Mais néanmoins, cette expérience, donc de sources différentes, de sources qui sont très très variées, qui sont toujours surprenantes, je pense que c'était l'apport principal de l'épigraphie. Et ce qui, en fait, apportait cette espèce de vie à l'occupation, à l'activité d'historien identifiant. Merci. Donc, oui, l'importance de ce type de document et en même temps le caractère essentiel de conserver un regard critique pour ne jamais le prendre au pied de la lettre et, comme tu le disais, s'interroger sur les conditions d'élaboration du document qui sont aussi des conditions à la fois politiques et sociales, en effet. Si l'épigraphie occupe une place majeure dans tes travaux, et tu y reviens souvent, soit par tes ouvrages, mais aussi dans les articles que tu proposes, tu n'as jamais congédié le document au profit du concept ou de l'ivresse du concept. Pourtant, le concept, la conceptualisation est bien présent. Dans ton travail, à la fois dans ton étude majeure sur Antiochos III et l'Asie mineure occidentale, et aussi dans ta réflexion sur la place des statues ou des statues honorifiques dans les cités. Et c'est aussi un autre trait de ton travail, cette capacité à convoquer un certain nombre de grilles de lecture, conceptuelles ou pas, mais aussi conceptuelles, qui sont forgées dans le champ de la discipline historique, mais qui sont aussi élaborées dans le contexte plus général des sciences humaines et sociales, ou de la linguistique. En particulier, je ne prendrai qu'un exemple, ta réflexion sur l'exercice du pouvoir d'Antiochos III au moment où il se réapproprie l'Asie mineure occidentale à la fin du IIIe siècle, et bien sûr adossée à une analyse des conditions militaires, politiques, institutionnelles, mais... Et ça a été, je le dis pour ceux qui ne connaîtraient pas intimement tous ces travaux-là, ça a été aussi un tournant historiographique dans la conception du pouvoir séleucide et du pouvoir hellénistique en général. Tout cela est aussi appuyé sur une réflexion sur le discours, sur le langage, sur le caractère performatif du langage. Autant de choses qui, à ce moment-là, dans le champ des études classiques, étaient relativement peu utilisées, convoqué et qui a marqué, je l'ai dit, l'historiographie. Et est-ce que tu peux développer sur ce point et nous dire quelle est l'importance et comment tu articules justement cette réflexion sur l'histoire avec les apports d'autres sciences ou d'autres disciplines ? Je ne sais pas en fait quelle est la bonne méthode pour approcher les sciences sociales. Donc, est-ce qu'il faut se construire un appareil théorique cohérent avant de commencer ? Donc dire je suis en fait, j'ai décidé que c'est tel livre, que c'est, je ne sais pas, Bourdieu, ou que c'est le Foucault tardif, celui qui travaille sur l'État, qui va me servir. Et donc je me construis un appareil qui est cohérent, qui a des outils qui me permettront de travailler, mais qui malheureusement feront que ce que je dis n'aura de valeur que dans les paramètres de cette approche. Ou bien... Est-ce qu'au contraire, je vais lire donc, de manière très détendue, piquer à gauche, à droite, picorer, faire mon miel, et à la fin, le travail théorique sera surtout en notes. Il ne sera pas forcément cohérent. Les gens diront, mais en fait, là, il y a du Bourdieu, là, il y a du Foucault, là, il y a je ne sais pas quoi, il y a du Weber. Ça ne colle pas, mais on dit, mais en fait, si ça me permet d'analyser, de voir des choses, ça tient la route. En fait, ce qui m'a frappé moins récemment, c'est que nos préoccupations soi-disant théorique, en fait, reflète vraiment le milieu ou la situation plus générale, mais qu'on ne s'en rend pas compte à l'époque. Par exemple, vous pouvez prendre des historiens britanniques, de gauche, assez progressistes, qui néanmoins diront des choses comme « Ah, la colonisation,
n'est pas une affaire d'État, c'est une affaire d'individu, c'est une affaire d'entrepreneur. Et que ça soit produit au beau milieu de l'Angleterre thatchérite, c'est quand même fou. Qu'ils ne se rendent pas compte du milieu qui influence maintenant ce qu'ils pensent être important. Alors, nous, qui avons commencé à travailler sur ces histoires de pouvoir, dans les années, mettons, 90, l'identité, c'est très important pour nous, la légitimité, l'identité, le langage. Et puis après 2008, tout le monde a commencé à parler d'économie. En fait, il dit non, ce n'est pas le langage et l'identité qui sont importantes, c'est vrai, ni même le pouvoir. C'est en fait le profit, le calcul, les intérêts, les risques, les coûts de transaction qu'il faut réduire. Il y a eu tout un discours qui tout d'un coup est apparu au moment même où la crise économique donc, se dessine, après 2008. Il me semble qu'on a eu une décennie où on a été obsédé par l'économie. Et évidemment, le livre de Bresson sort en 2010, traduction anglaise 2016. Maintenant, au sein de l'université américaine, je ne sais pas si c'est le cas encore dans les universités européennes. L'obsession, c'est évidemment la justice sociale et raciale. Et comment ne pas voir le rapport entre ça et tous les événements de la fin de l'ère Obama et le début de l'ère Trump, enfin de l'ère Trump, espérons que ce soit qu'un interlude, mais toutes ces préoccupations, ce sens de rage parfois, de colère, et puis le retour de Manivelle également, donc de la droite américaine, tous ces phénomènes se répercutent donc, de manière presque instantanée dans ce qu'on fait. Mais quand on pratique, on ne s'en rend pas tout de suite compte. On pense qu'on fait de la théorie sociale, mais en fait, on répond à des préoccupations. Mais on savait, puisque quand on étudiait Rostovtsev, on disait « Ah, Rostovtsev, c'est très curieux, il parle en fait de la révolution russe quand il pense parler de l'époque helvétique. » Mais nous faisons toujours la même chose. Je ne sais pas si c'est une condition tragique ou simplement c'est une chose dont il faut faire sa part. Voilà. Sans pour autant peut-être y échapper. Voilà. Allez, à l'ère du temps intellectuel, bien sûr. Merci pour cette réponse qui nous permet d'ailleurs d'évoquer, tu as évoqué Alain Bresson qui est justement une des figures de ce renouveau de l'histoire économique inspirée justement par cette importance du marché et puis voilà, et qui est par ailleurs, pour ceux qui l'ignoreraient, un ancien enseignant-chercheur dans cet établissement, une figure importante de l'histoire intellectuelle de cette université. Alors précisément, il me semble qu'il y a pu peut-être avoir une tension entre ces deux aspects que j'ai évoqués, c'est-à-dire ce souci de regarder l'Antiquité à distance avec des outils conceptuels forgés dans le contemporain ou forgés dans les sciences sociales, et puis aussi ce souci des sources, ce rapport singulier que propose l'épigraphie comme discipline. On sait tous combien les historiens qui se fondent très largement sur l'épigraphie sont souvent extrêmement rétifs dans les institutions qui les accueillent en particulier, à utiliser des notions ou des concepts qui sont extérieurs au document, qui viendraient le mutiler. Il me semble que toi, tu as réussi à le faire. Est-ce que, c'est une question de curiosité, hein, est-ce que tu t'es heurté à des formes de résistance intellectuelle, de résistance académique, de contestation de cette approche, ou au contraire, ça n'a pas posé de problème dans la façon d'écrire ou dans la réception de ce que tu as pu écrire. Quand on fait de l'épigraphie ou qu'on travaille avec les sources et qu'on veut donc faire plus qu'un commentaire philologique et antiquaire, donc évidemment il faut qu'on trouve des concepts et des termes utiles. Alors là évidemment on expérimente. Jean-Marie Bertrand avait donc commencé à travailler sur les actes du langage, sur la théorie des actes du langage, donc dans un article de 1990 qui est vraiment formidable, qui est détonnant. Et ça m'a semblé donc très utile, puisqu'on a des inscriptions où on a justement des actes du langage, des actes de langage, donc des performatifs. Alors, moi, il me semble qu'il y a un double danger. Le premier, c'est effectivement
qu'on parle à des antiquisants ou des spécialistes qui disent « mais en fait, vous ne faites que redire ce qui est déjà là ». Pourquoi utiliser ces termes compliqués, puisque de toute manière, on voit très bien, et c'est simplement une histoire de pouvoir, de sous, de guerre. Autant dire simplement. Il faut dire non, la théorie apporte quelque chose, mais il faut pouvoir dire quoi. Et effectivement, j'ai eu des retours, dire non, ça n'apporte rien, il n'y a pas besoin de dire de manière compliquée. L'autre problème, c'est qu'en fait, on voudrait que cet appareil théorique nous permette de parler de documents au reste de la discipline. Donc, ou des disciplines. Donc, l'histoire en général, les antiquisants, ceux qui font de l'histoire ancienne, et aussi ceux qui travaillent sur les textes. Tu as parlé de mes différentes expériences universitaires. Dans le monde anglo-saxon, généralement, l'histoire ancienne fait partie de ce qu'on appelle les classics, donc où il y a les lettres classiques, les historiens, parfois les philosophes, même les archéologues, dans un même département. Donc, l'idée, c'est que vous voyez. L'épigraphie concerne des thèmes qui nous concernent tous. Il me semble que je suis confronté à un double échec de part et d'autre, à la fois les épigraphistes qui disent « mais ça ne sert à rien » et les classistes qui disent « mais en fait cette théorie est ancienne, est vétuste et appliquée de manière peu systématique ». Et donc on se retrouve face aux documents, comme toujours. Il y a quelques jours, je lisais un document de Cos, une vente de prêtrise, début du troisième, où il y a une commission des diagraphes qui établit donc une proposition de loi, c'est que la prêtrise de, je ne sais plus, je crois que c'est un Dionysos, elle sera ouverte à une enfant de 10 ans, ou de 12 ans, qui aura cette prêtrise à vie, et qui donc, pour chaque sacrifice, recevra un peu d'argent. La peau de la victime, une cuisse, une part de viande, etc. Et qui, chaque fois qu'il y aura une initiation, recevra de l'argent. Et quelqu'un, au cours de la session d'assemblée où ça a été voté, a dit « oui, c'est très bien tout ça, mais la prêtresse, ou la famille de la prêtresse, parce que c'est une enfant, va payer tous les ans quelque chose pour l'entretien du sanctuaire. Il ne faut pas que ça soit simplement une source continue de revenus. » Et ça a dû être négocié, et ça a dû être débattu dans l'assemblée. Il semble que donc on revient comme ça à des réalités très très proches de négociation de pouvoir, donc sur le terrain de micro-réalité du pouvoir, qu'il faut pouvoir constater d'abord. Il ne faut pas simplement dire ah voilà, on a un langage, on a des formulaires, mais après qu'il faudrait pouvoir insérer dans un ensemble plus large. En fait, c'est ça le défi. Merci pour ce point. J'ai signalé l'importance de ce travail sur Antiochos III qui a maintenant un petit peu plus d'une vingtaine d'années. Tu as, je le répète très rapidement, renouvelé l'historiographie, c'est le site sur bien des points. Oui, pardon, sur bien des points. Mais tu n'as jamais tout à fait, même si tu t'es intéressé à d'autres questions, tu n'as jamais perdu de vue cette question et des pouvoirs royaux et du pouvoir, c'est le site, de l'historiographie, c'est le site. En général. Et là encore, c'est une question de curiosité, peut-être de curiosité un petit peu impliquée pour ma part. Il faut savoir qu'on est face à une espèce de profusion d'études sur le royaume séleucide. D'une certaine façon, tu étais au début du mouvement. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as lancé, c'est toujours plus complexe. Mais disons que depuis le début des années 2000, et les choses s'accélèrent, je crois, depuis 2010, c'est vraiment un champ de recherche, les pouvoirs hellénistiques en général, et la question du royaume séleucide plus particulièrement, qui est extrêmement dynamique, sans cesse renouvelée, avec des études de plus en plus nombreuses et qui mettent en évidence une documentation qui était parfois un peu négligée. Comment vois-tu, sur ce point assez précis quand même, mais comment vois-tu l'évolution de ce champ, de cette historiographie? Quelles sont les grandes tendances que tu repères, voire les apories ou les apports qui doivent être mis en évidence et qu'est-ce que ça révèle sur le rapport à l'Antiquité et à l'histoire hellénistique plus particulièrement? Et je précise une chose, c'est un mouvement absolument international. Hein, c'est à l'échelle internationale, singulièrement dans le monde anglo-saxon, c'est extrêmement
nourrit. Laurent, nous avons été frères d'armes, non? On était à la réunion de la SOFO encore en 2003. Mmh. Ouais. C'est ce qui est sorti ensuite, le volume édité donc dans Palace, non? Par oui, Francis Pro. Donc, au début du moment où beaucoup d'entre nous avons relancé l'Empire Séleucide, qui en fait était plutôt endormi jusqu'à ce moment. Le livre déclic, c'est quand même celui d'Amélie Kurth et Sherwin White, il me semble, qui a donc il y a toute cette approche donc de Sherwin White au livre de Paul Cosbin. Donc on a une approche qui insère l'Empire Séleucide dans un milieu proche oriental. Il y a évidemment l'influence de l'histoire achéménide de Pierre Briand. Il y a l'histoire de Macédoine, donc les Hatzopoulos qui ont vraiment aidé à comprendre mieux la Macédoine. Il y a des tas de petits foyers comme ça, ou de grands foyers d'intérêt qui ont contribué à ce qu'il y ait un renouveau de l'histoire séleucide. Pour l'instant, il me semble les trois sujets qui me semblent d'intérêt seraient d'abord de repenser le rapport au prédécesseur achéménide. Et ça, on ne peut plus simplement dire, ah, vous voyez, c'est un empire proche-oriental, on a tout expliqué, il y a une continuité longue, ce qui est tout à fait vrai, mais ça n'explique pas tout. Deuxièmement, c'est un point qui est très voisin, c'est qu'on s'aperçoit que l'histoire de l'Empire séleucide est assez longue pour qu'il y ait des césures au sein de cette histoire même. Donc, que le deuxième siècle, par exemple, semble avoir des dynamiques différentes. Même, mettons, vers la fin du règne d'Antiochos III, les choses semblent changer. Et qu'Antiochos IV, par exemple, les politiques semblent quand même assez différentes. Et en fait, on en a des traces. Donc, puisqu'on est maintenant en pleine Hanouka, l'ensemble des désordres dans le Levant, la révolte asmonéenne, tout ça doit être en rapport avec le changement de la nature du pouvoir hellénistique, puisque ça se passe en Égypte également. Également, dans le deuxième siècle, tout change, et en Asie mineure et en Grèce. Donc faire des césures, avoir une approche plus fine. Troisièmement, ce serait peut-être le retour d'une approche coloniale. Alors, Edouard Ville avait écrit cet article décapant pour une anthropologie du monde, une anthropologie coloniale du monde hellénistique. Ensuite, Roger Bagnall a écrit un article disant non, il ne faut pas penser de manière coloniale, il faut plutôt avoir une technique post-coloniale ou une approche post-coloniale. Enfin, toujours est-il que nous autres, en histoire hellénistique, on n'a pas, il me semble, tenu compte de ce qui se passe dans les domaines d'histoire coloniale en histoire moderne. Enfin, donc, on devrait être à lire beaucoup plus. Bon, on voit des titres qui nous intéressent, qui disent, par exemple, une histoire intime du Rage. Donc, et on dit, mais est-ce qu'on pourrait écrire une histoire pareille pour l'Empire Séleucide ou pour le royaume Agide? Et il y a des sources du genre, comme vous savez, on a des textes laissés par des colons grecs en Égypte Agide qui rêvent en égyptien, mais qui tiennent leur journal en grec, qui vont dans les sanctuaires qui sont mi-grecs, mi-indigènes. On a tout le monde, bien sûr, de la Babylonie hellénistique. Il me semble qu'on pourrait renouveler tout cela avec une approche donc, inspirée de l'histoire coloniale. Et qu'il faudrait regarder également une histoire qu'on n'a pas racontée non plus, qui est l'histoire, il me semble de l'exploitation ou des profits coloniaux qui ont été tirés par l'élite gréco-macédonienne. En fait, ce qui m'inspire là, c'est un texte sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec Christopher Toplin, c'est-à-dire c'est le dossier Archama. On a une toute petite part des archives du satrape de l'Égypte, Archama. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que vraiment la plupart de son activité, ou pardon, la plupart de l'activité qu'on voit dans cet archive, c'est la gestion d'un grand domaine. Et notamment, par exemple, la perception des loyers, des rentes,
la gestion des flux humains. Il dit à un moment, qu'est-ce que tu fais à son intendant, qu'est-ce que tu fais, va prendre des gens, kidnappés, marquer au fer rouge et fais les travailler. Qu'est-ce qui se passe? Mon domaine ne grandit pas. Et d'autre part, il dit, avec l'argent du domaine, je veux mon loyer, je suis à Babylone, mais je veux mon loyer cash, et je veux également des œuvres d'art, des objets de luxe. Donc, d'essayer de retrouver toute cette dimension d'un style de vie qui est financé par l'exploitation et par la rente, ça me semble que c'est un autre sujet d'intérêt pour l'histoire hellénistique. Une histoire sociale, en fait, du monde hellénistique. Donc, et une histoire de la Terre aussi. Une histoire de la Terre. Tout est à faire encore. Tout est encore à faire, il me semble. Voilà une belle perspective, hein, si tout est à faire. Ta réponse me permet d'évoquer un autre aspect, un autre point sur lequel je voudrais peut-être revenir, c'est-à-dire cette capacité à sortir du cadre égéen plus ou moins large pour t'intéresser aussi à d'autres types de documents, à d'autres espaces, à d'autres régions. Et du monde méditerranéen, avec la Méditerranée orientale. Je crois que dans les réponses que tu as apportées, tu as évoqué à la fois l'Égypte, le Levant, la Judée. Tu as fait aussi une allusion à la Babylonie. Autant de régions sur lesquelles tu as travaillé, tu as écrit. Il me semble que c'est une évolution dans ton parcours intellectuel et scientifique. C'est une évolution que l'on voit apparaître, mais je me trompe peut-être, et je parle évidemment sous ton contrôle, autour des années 2005-2010, avec une prise en compte justement de l'Antiquité sous différents visages, sous différentes formes, et une façon de replacer ce qu'est le monde grec dans sa diversité, dans un rapport de comparaison avec justement ces régions qui sont périphériques pour le monde grec, mais qui sont centrales de leur propre point de vue. Je pense à la Judée, je pense à la Babylonie, je pense à l'Égypte. Tu as déjà commencé à répondre sur ces points, mais comment cela, cette documentation, a permis de renouveler tes approches? Qu'est-ce que ça a impliqué comme effort de découverte des documents? Est-ce que tu as la même intimité avec la documentation? Est-ce que ça produit le même type d'histoire dans ton écriture? Voilà. Tu as remarqué que Bickerman, quand il parle de la Haute-Asie dans les institutions, en fait, il veut dire la Babylonie. Il a vraiment, quand Bickerman écrit en 1938, les institutions des Séleucides, la Babylonie, c'est déjà très très à l'est pour lui. Bon, il y a déjà le livre de Rutten, je crois, sur les contrats séleucides qui est sorti à cette époque. Où, enfin, il ne voit pas plus loin. L'Iran, séleucide, ou l'Asie centrale, séleucide, n'existe pas pour lui. Et en fait, il la découvre beaucoup plus tard, dans les années 50, quand il écrit un essai très très difficile, en fait, très dense sur, l'Asie centrale. Le livre de Cosmin, donc, hein, parle beaucoup de tout ce monde-là. L'oasis de Merv, la Bactriane, et que tout ça, en fait, ça fait partie du monde hellénistique. Moi, je pense que... Enfin, il y a plusieurs remarques à faire ici, mais une, c'est que quand on enseigne l'histoire d'Alexandre le Grand, et à Oxford, on va le faire régulièrement, c'est un des sujets, enfin, pas bateau, mais sujet très très fréquent, il est facile de comprendre, enfin assez facile de comprendre tout ce qui est avant, mettons, Gaugamela, mais qu'après, cette histoire très très détaillée qu'on trouve dans Quinte, Curse ou dans Arien, il faut essayer de la comprendre, la décrypter géographiquement. Et j'avoue que c'est un travail constant, par exemple, de comprendre ce qu'Alexandre est en train de faire en Hyrcanie. Alors, qu'est-ce qu'il fait en Hyrcanie? Donc, Darius est mort, et Alexandre passe beaucoup de temps, en fait, chez les Tapuriens, ou je sais pas. Et j'ai dit, je vais essayer de lire Pierre Loti, qui, dans son... c'est quoi? C'est Verisparan. Oui, Verisparan. Il a un long chapitre, il dit, ah, c'est comme le Jura, sauf que c'est très, très plus vieux. Et, mais en fait, on se rend compte qu'il ne faudrait pas simplement lire Pierre Loti ou les sources coloniales britanniques, il faudrait aussi lire des sources iraniennes, ou des géographes iraniens, ou des travaux iraniens. Mais en fait, là, on a un obstacle, un problème de langue. Très souvent, par exemple, des travaux indiens sur Alexandre en Inde, c'est simplement des reprises d'Arien.
Alors qu'il faudrait un travail archéologique sur les sources sanscrites, je suppose. Le livre qui m'a fait le mieux comprendre l'Afghanistan, c'est ce livre sur Shah Shuja et la première guerre donc, d'Afghanistan, 1839, où on voit que le Pakistan du nord, du nord-ouest, et Kaboul sont en fait très liés. Herat, c'est un monde différent, mais que entre Kaboul et le Pakistan, soit les Sikhs vont faire la guerre là-bas, soit les rois de Kaboul descendent dans la vallée d'Indus. Mais en fait, Alexandre, tout d'un coup, ça se comprend complètement. Il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce qu'Alexandre va en Inde ? Seulement parce que la géographie l'y entraîne. Et ensuite, comprendre le rapport entre la Bactrie et la Sogdiane, ensuite la Sogdiane et l'Istok, toutes ces géographies s'articulent. Mais c'est un temps très long. Vraiment des choses que j'ai dû découvrir. D'une manière personnelle, en fait, c'était très curieux que je retombe sur des sources chinoises à ce moment. Ayant passé toute ma vie à travailler sur des choses qui n'étaient pas la Chine, après tout mon travail a fini par me ramener en Sogdiane, et donc un endroit où les sources chinoises, bouddhiques sont très importantes pour comprendre la géographie historique du Swat, et toute cette terre bouddhique, donc Ludhiana, et que donc à ce moment, on peut concevoir une espèce d'histoire globale qui s'étendrait de l'Atlantique jusqu'en Chine. Enfin, je dirais. Pas un chantier que je voudrais ouvrir, non. Il y a une espèce de longue continuité. Si on continue à travailler vers l'Est, on arrive à un autre monde. Si on continue à travailler vers l'Ouest, on est pris par la même ivresse que celle d'Alexandre, et ça finit mal parfois. Justement, là, notre discussion nous a orientés vers l'Asie. Et l'Asie dans sa plus grande profondeur et dans sa diversité. Mais même si, comme je l'ai dit, tu t'intéresses à ces régions, et on le voit avec ta réponse, tu as su aussi recentrer parfois ton travail sur le monde grec égéen. Et je voudrais qu'on passe un peu de temps sur cet ouvrage, Statues and Cities, qui est publié en 2013, je crois hein, que c'est ça, en 2013, mais qui en réalité dissimule un halo de recherche avec des articles qui l'annoncent et des articles qui lui donnent aussi des prolongements. Pour ceux qui l'ignoreraient, mais je sais que certains ou certaines ont déjà beaucoup travaillé sur cet ouvrage, on a là un ouvrage extrêmement dense qui s'interroge sur la question des honneurs à travers la statuaire, dans le cadre de la cité, avec une approche épigraphique, une approche évidemment archéologique aussi, évidemment l'histoire de l'art, et dans un contexte intellectuel qui est celui de la prise en compte de l'espace, de la disposition, dans ce qu'on a pu appeler le spatial turn, après le linguistic turn que tu avais convoqué dans le premier ton premier livre. Là, on a un écho d'une autre actualité intellectuelle, et la prise en compte de l'espace, de la production de l'espace par les sociétés et des effets de l'organisation de l'espace sur ces sociétés-là, à différentes échelles, ici, à l'échelle de la cité ou de l'agora. Voilà. C'est un livre très important, justement, parce qu'il synthétise tous ces aspects-là, et je crois important pour, notamment pour les collègues et les étudiants qui sont ici présents, et puis ceux qui pourront nous regarder et nous écouter, de nous expliquer comment l'idée était venue. Elle n'est pas ponctuelle, parce qu'en réalité, on voit bien que c'est des années de travail. Qu'est-ce qui t'a orienté, après un travail sur un royaume hellénistique, vers ces questions-là, extrêmement diverses et très riches? Merci, Laurent. Au passage, le livre dont je viens de faire mention, c'est Darwin pour Return of the King, le retour du roi, qui est donc sur la guerre afghano-britannique de 1839, et qui vraiment aide beaucoup à comprendre la géographie de l'Afghanistan. Je vais passer d'Afghanistan à quelque chose de complètement différent. C'est Athènes. J'étais à Athènes juste au moment des Jeux Olympiques.
donc de 2004, où la ville était autrefois donc couverte de grands panneaux publicitaires, et je crois que la ville d'Athènes a dû engager 300 avocats pour faire tous les procès nécessaires pour qu'ils descendent tous ces grands panneaux pour que la ville soit très belle et présentable avant les Jeux Olympiques. Et ce qui m'avait frappé, c'était qu'une ville, c'est une espèce d'écologie où tu as, on a les pigeons, on a les touristes, on a l'autorité publique qui est souvent impuissante, et puis on a dans ce monde des ensembles compétitifs, des familles, grandes ou petites. Et que si tu vas à un sanctuaire comme Europos, tu vois qu'il y a les statues honorifiques dressées par la cité, celle dressée par le koinon des Béotiens, ensuite le fait que la cité à un moment les a réinscrites pour des Romains, ensuite des statues de famille, des statues de rois et de famille un peu mélangées, et puis tout est couvert d'une espèce de glu, c'est-à-dire les décrets de proxénie qui ont été inscrits sur chaque surface possible. Et ce qui est très clair, c'est qu'en fait, c'était pas possible de les inscrire dans l'État puisque les bases étaient trop rapprochées. Donc, il y a une base, il y a eu des décrets honorifiques, ensuite l'autre base est venue coincer ou fermer cet espace. Donc, une espèce d'écologie compétitive entre l'État ou un acteur public et les familles. Et ça, ce qui me semblait intéressant, c'était d'essayer de voir cette compétition dans l'espace. Et que c'est bien sûr des histoires d'élite et de masse, comme dirait Josiah Robert, mais c'était aussi une histoire simplement de vie. Et quels ont été les outils, alors là encore peut-être tirés des sciences humaines, des sciences sociales, qui ont été particulièrement utiles pour toi pour aborder ces questions, au-delà même des exemples très, très parlants que tu viens d'évoquer, Europos en particulier, qui occupe une place très importante dans ce travail, quels ont été les concepts, les outils utiles dans cette réflexion sur la mémoire, sur d'autres aspects. J'ai un peu peur que c'était un gloubi boulga, mais disons qu'il y a des livres comme La production de l'espace par Henri Lefebvre ou la géographie radicale qui sont pas faciles d'usage. Donc j'ai pas trouvé, c'est toujours comme ça, quoi. La théorie donne jamais les réponses toutes faites qu'on voudrait, mais il y a un corps donc de pensée théorique sur l'espace et sur espace et société. Ça, on trouve beaucoup de livres là-dessus. J'ai trouvé plus intéressant tout ce qui était livre, donc souvent en histoire, sur les rapports entre mémoire, espace et pouvoir dans des contextes précis. Par exemple, l'Europe de l'Est, après 89 ou après 91. Donc où il fallait décider ce qu'il fallait faire avec les statues de Staline, quelle mémoire on aurait de quels événements, et qu'en fait tout ça était contesté. L'idée de contestation, de lutte, qu'on pouvait lire dans la pratique. Alors, est-ce que c'est très théorisé? Je ne suis pas sûr. Il me semble que c'était plutôt des exemples de cette lutte. En mémoire, ce qui était intéressant, c'est que dans la théorie des lieux de mémoire, c'est que c'est toujours inventé, en fait. C'est donc, qu'il y a toujours une part de mauvaise foi et de réinvention dans ce concept. En fait, ça a été mis en, il y a un challenge par rapport à cette idée que tout est malléable, tout peut se refaire, qu'il n'y a pas d'authenticité. C'est une idée que j'ai adoptée, mais en fait, qui est plus contestée maintenant. Il y a un autre aspect aussi que je voudrais aborder, et nous arrivons presque à la fin de cet entretien, avant de laisser la parole aux participants dans la salle, c'est aussi la place de la réflexion sur la guerre. Alors on est particulièrement sensible
ici, puisque, comme tu le sais depuis hier, il y a des initiatives dans cet établissement autour de groupes de recherche scientifiques sur la guerre et groupes de recherche transdisciplinaires. Et puis ce sont des préoccupations qui sont importantes pour plusieurs d'entre nous, aussi pour les étudiants. Et l'exemple d'une soutenance qui va avoir lieu tout à l'heure montre aussi le renouveau de ces questionnements. C'est justement un thème qui affleure de façon plus ou moins discrète et parfois qui est abordé de façon délibérée dans tes travaux. La question de la guerre pour les royaumes, c'est une chose, on l'a évoqué dans la discussion, mais aussi pour les cités, et pas forcément les grandes cités. Et tu as notamment travaillé sur la question de la culture de guerre dans les cités d'Asie mineure, dans plusieurs articles. Je voulais t'interroger là-dessus sur justement cette notion de culture de guerre. Comment tu la définis? C'est une notion assez plastique qui est évoquée pour renvoyer à des réalités extrêmement différentes. Comment, dans le cadre du monde grec, et tout particulièrement pour les cités grecques, et tout particulièrement encore pour les petites cités grecques, comment elles se révèlent et qu'est-ce que tu as pu mettre en évidence dans ce champ-là? Ça, c'est une question intéressante pour les divers contextes dans lesquels elle se déploie. J'ai effectivement écrit un papier qui en fait c'était pour un colloque à Lyon, je crois, en 2003. Je n'ai pas pu y assister parce que mon passeport était en train de. Enfin, soit j'avais perdu, soit je l'ai renouvelé à l'époque. Donc il a été lu pour moi, où j'avais en fait lancé, un peu au hasard, cette idée de culture militaire. Ce qui m'a frappé, c'est que les Français. Les savants et chercheurs français étaient tout de suite réceptifs à cette idée. Est-ce que c'est à cause de la Grande Guerre? Est-ce que c'est parce qu'il y a des travaux donc, sur cette notion de culture militaire en France? Je ne sais pas. Je sais qu'il y avait un article dans la revue L'Histoire sur les enfants et la Grande Guerre. Et je crois que c'était à peu près vers le moment où j'ai écrit cet article. Donc, par exemple, que Colette rêvait de tuer des Boches, des trucs comme ça, que les gens s'envoyaient des cartes postales, on voyait des bambins qui passaient des Allemands à la baïonnette. Enfin, il y a une culture sanguinaire qui était comme ça, passé à travers les enfants. Et il y avait un article donc assez intéressant là-dessus. C'est peut-être ça qui a fait le déclic. Le rapport donc entre la société civile et la guerre, je crois que c'est un rapport différent en France. C'est aussi vers le moment où le service militaire obligatoire, je pense, a été supprimé. En Suisse, où j'ai grandi, où il y a une armée de milices, mais le rapport est différent en Suisse romande et en Suisse allemande. En Angleterre, qui a une armée professionnelle, et évidemment aux États-Unis, qui a à la fois une forte culture patriotique et également une armée de métier. Donc, culture militaire, ça voudra dire des choses différentes dans ces contextes culturels. Est-ce qu'il y a une culture militaire des cités grecques, pour revenir à cette question ? Il y a certainement une expérience militaire des soldats citoyens qui se décline de différentes manières, et je vois la thèse de Rémi Saoumon qui a beaucoup de choses à refaire. Mais est-ce que les citoyens s'identifient comme soldats? Alors ma réponse, c'était, comme tu sais, c'est qu'il y a des stèles où les gens se représentent comme banqueteurs, mais que au milieu de ces images du luxe, il y a également toujours des armes. Il y a les boucliers, les cuirasses, les casques, les épées et parfois une tête de cheval. On trouve ça un peu partout, on trouve ça en Ionie, on trouve ça aussi un peu en Béotie et aussi en Grèce du Nord. J'ai demandé, certains citoyens choisissent de se représenter en soldat, mais que ce n'est pas universel. Ce n'est pas la seule manière de se concevoir comme citoyen. Donc ça doit être une composante ou un choix possible de certaines couche sociale au sein de la cité. Mais je ne sais pas en dire plus que ça pour l'instant. Et peut-être aussi des variations chronologiques sur cette expression de la guerre et géographique aussi.
Merci pour cette réponse. L'ensemble de tes réponses a montré beaucoup de choses, à la fois cette capacité à élargir les questions qui se posent pour l'Antiquité avec une forme de rapport comparatiste, avec des périodes plus récentes, voire avec l'hyper-contemporain, à replacer les phénomènes que tu décris ou que tu analyses dans la longue durée aussi. Et je voudrais, pour terminer, en tout cas pour cet entretien, mais pas pour la séance, je voudrais... couper un petit peu, enfin mettre à distance justement l'Antiquité, enfin pour y revenir, pour mieux y revenir. Tout le monde aura compris à tes réponses que tu as une expérience extrêmement diversifiée du champ intellectuel, à la fois européen, nord-américain aussi. On est là dans des traditions qui sont comme dans les cités grecques, hein, c'est la diversité qui l'emporte parfois, mais là aussi, d'une certaine façon, malgré les modes intellectuels, tu as montré aussi les différences d'approche qu'il pouvait y avoir sur la culture de guerre, sur d'autres questions, sur le rapport aux documents, selon les contextes académiques. Et je voudrais évoquer peut-être des questions un petit peu plus brûlantes aujourd'hui. Les sociétés occidentales, la société française en particulier est animée par un certain nombre de débats sur le rapport au passé. On a évoqué les statuts, tout le débat sur le déboulonnage des statuts, l'outrage fait aux statuts, la suppression des statuts comme trace de mémoire. Au fond, des choses que tu as aussi évoquées avec ta propre approche pour ton ouvrage ou dans tes articles sur ces questions-là, mais qui sont des questions aujourd'hui... brûlante, voire extrêmement polémique, sans parler de ce qui apparaît comme un phénomène auquel on veut peut-être donner beaucoup trop d'importance, ce qu'on appelle, du point de vue européen en tout cas, la culture woke, qui serait née dans les campus américains, que tu connais très, très directement, ces campus américains, si on en soit, on croit certains polémistes, qui seraient donc quasiment les forges de l'enfer, qui viendraient produire ces concepts qui eux-mêmes détruiraient l'ensemble de la civilisation occidentale. Alors bien sûr, on est là dans des polémiques qui parfois laissent un peu perplexe, n'empêche. On est aussi face à des réalités qui sont sans doute différentes en termes de prise en compte, tu l'évoquais tout à l'heure, des questions d'inégalité et d'usage de ces réflexions-là pour aborder le passé et l'Antiquité en général. J'en veux pour preuve des discussions qu'il peut y avoir ici et là, par-delà l'Atlantique, sur le caractère oppressif d'un certain nombre d'œuvres antiques, classiques. Comment les choses sont vues aux États-Unis sur question-là, et toi qui as cette culture à la fois européenne et américaine, comment tu perçois ces débats? C'est la question la plus importante pour en 2021, qui ensuite est en rapport avec un autre problème, c'est pourquoi étudier l'Antiquité grecque, pourquoi lire Homère, pourquoi lire les inscriptions de Kos, donc c'est encore plus profond, plus lointain comme question. Non, effectivement, tu as raison. L'été 2020 aux États-Unis a été l'été des statues, en sens qu'il y a eu un effort de déboulonner les statues et l'effort de défendre les statues. Près de là où j'habite, près du campus de Columbia, il y a une statue qui est en fait de Karl Schurz, un Suisse, qui s'est exilé après 1848, qui était en fait général de l'armée américaine durant la guerre civile, qui ensuite a été intendant d'affaires indiennes, enfin, c'est un type très bien. Il y avait toujours une voiture de police devant sa statue, durant tout l'été, 24 heures sur 24, pour protéger les statues. On a, durant les émeutes, protégé les statues. Et évidemment, il y avait tout le Fort Trump, il faut protéger les statues, protéger les bâtiments fédéraux, etc. Tout ça était hyper politisé.
durant cet été. J'avoue que je ne comprends pas tout, je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Il y a les arguments donc, inverses. Donc, il faut protéger la statue parce qu'elle représente notre histoire. Donc, un général confédéré représente notre histoire. Bon, en bref, très rapidement, vous savez bien que ces statues de général confédéré ont été dressées non pas après la guerre civile, mais en fait durant l'ère Jim Crow, c'est-à-dire l'ère de la ségrégation, c'est-à-dire vers 1900, entre 1900 et 1950, comme effort ou comme monumentalisation de tout l'effort pour renverser la reconstruction, c'est-à-dire empêcher les Noirs de voter. Et que ces statues-là sont des statues monstrueuses, des statues qui sont liées donc, à un effort politique très clair. Il est également clair, c'est ce que j'ai dit dans mon livre sur les statues, que la statue honorifique ne représente pas l'histoire, elle représente notre volonté de faire de l'histoire. Donc si nous ne voulons pas de cette statue, nous l'enlevons, nous la redédions à quelqu'un d'autre, on la fait fondre. Les Grecs nous montrent qu'en fait la statue n'est pas sacrée. Qu'en fait, une statue est la plus fragile des choses. Donc, c'est mon angle, c'est ce que j'ai dit, d'ailleurs, au cours de mes cours, par exemple, ou au cours d'intervention, sur ce problème des statues. Donc, mais ça s'insère dans une, comme tu le dis, dans une problématique beaucoup, beaucoup plus large, qui est, comme tu dis, la problématique woke, mais on l'a vécu dans les années 90 avec la problématique où le PC, le politically correct, qui était déjà, en fait, sous Clinton, la préfiguration de tous ces débats. Alors, en effet, on a un angle qui dit que les lettres classiques, les auteurs classiques, l'histoire classique n'a fait que perpétuer la suprématie blanche aux États-Unis. Et que si c'est le cas, c'est qu'il y a quelque chose dans la nature même des classiques, dans l'ADN des lettres classiques, qui la prédispose à être l'outil de cette suprématie. Alors évidemment, comme toujours, les gens qui font des lettres classiques se donnent beaucoup trop d'importance. Dans l'histoire intellectuelle de l'Occident, en fait, il faudrait quand même faire la part congrue. L'esclavage n'est pas dû aux gens qui disaient Aristote. Il faut être clair. Le racisme n'a pas été inventé par Dinkelbein, encore une fois. Mais ces rapports de complicité sont des rapports qu'on essaie de dérouler maintenant. Le problème, c'est que ça demande vraiment des connaissances en histoire intellectuelle moderne qu'on n'a pas forcément. Il me semble qu'on n'est pas formé à ça, on n'est pas formé à lire les sources du 18e ou de l'époque moderne. On ne connaît pas tout, on ne connaît pas les débats. Mais c'est en tout cas c'est un débat qu'il y a maintenant en histoire classique, en histoire ancienne ou en sciences de l'Antiquité. Le retour de Manivelle, c'est évidemment ceux qui disent que la culture woke est celle qui étouffe le débat, celle qui se propose de tout brûler, etc., et qui a donc un retour conservateur, qui est évidemment très bien financé, et qui a de puissants appuis dans le système des médias, etc. Voilà le débat, voilà le paysage tel qu'il se présente, tel que je le vois sur les médias sociaux, tel que je le vois donc dans les entretiens d'université. Heureusement que mes étudiants ne parlent pas le français, donc ils n'ont pas un mot de ce que je dis. Je ne sais pas quelle sera la répercussion de ces débats, bon, d'abord dans le système britannique, qui est complètement en vase communicant avec le système américain, ni ce qui va se passer en France, en Allemagne, en Italie, par exemple. Et ça, c'est vraiment une affaire à suivre. En effet, c'est une affaire à suivre, même si ce débat se pose dans des termes un petit peu différents, parce qu'on est dans des traditions, même si on voudrait l'importer telle quelle, les traditions sont sans doute aussi différentes. Merci pour toutes ces réponses, mais on va engager maintenant une autre partie, un autre moment de notre rencontre. Tu as lancé beaucoup de pistes sur beaucoup de sujets. J'imagine que certains parmi vous voudraient peut-être avoir des précisions et prolonger certains aspects dans une forme de discussion.
C'est pourquoi je donne sans tarder la parole à la salle. Alors je vais vous demander d'utiliser le micro qui circule de façon à ce que la prise de son puisse être assurée. Sébastien. Bonjour Monsieur Cabatré, bonjour Monsieur Ma. Alors j'ai deux premières questions et on va commencer par ces deux premières. Juste pour être bien sûr de vous avoir compris tout à l'heure à propos de l'Afghanistan, vous avez largement insisté sur la géographie et notamment comprendre ces vallées du nord-est de l'Afghanistan et du nord-ouest du Pakistan. Je ne suis pas sûr de vous avoir compris, donc vous n'avez pas versé dans un déterminisme géographique. Ce n'est pas une provocation. Si, je pense que oui. Dans ce qui m'était apparu à la lecture de l'île de Darren Paul, enfin, c'était très utile pour moi, simplement parce qu'avant, j'enseignais Alexandre, donc avec son espèce de boucle qu'il décrit, avant de revenir sur Bactre, etc. Ce qui me semblait, c'était que la géographie de l'Afghanistan pouvait se comprendre en sous-régions ou en micro-régions, et que l'une d'entre elles, c'était donc ces rapports entre ce qui est maintenant l'Afghanistan et ce qui est en fait le Pakistan, et ce que Arien appelle l'Inde, donc les Indiens de l'autre côté de l'Indus. Tout ce qui est cette région où Alexandre passe une année, est-ce que c'est 327, qui n'est pas clair, on ne sait pas très bien la saison, et qui simplement semble suivre naturellement une fois la pacification, donc la seconde bien. L'écho que je voyais entre cette activité et l'état, pas naturel, mais l'état d'Afghanistan, donc avant 1839, où en fait il y a des activités guerrières qui franchissent qui est la frontière moderne, sans aucun problème, me semblait assez évocatrice. Déterminisme géographique, oui, d'une certaine manière, oui. Ou bien, disons, qu'on peut voir une certaine configuration des pouvoirs dans cette géographie qui aidait à comprendre ce qui se passait avec Alexandre. Je vous remercie, et vous me décomplexez au passage. Donc, je vous remercie doublement. Et ma deuxième question était par rapport à une toute première réponse à Laurent Cabletré, à propos des concepts. Là aussi, c'est peut-être aussi pour me décomplexer, vous semblez ne pas vouloir choisir entre différents concepts, donc ne pas adopter un seul point de vue. Et pour avoir été traumatisé par une discussion avec Christophe Pébard, qui me disait que non, je ne peux pas bombarder un sujet d'étude en utilisant plusieurs approches conceptuelles, je dois avoir un parti pris. Est-ce que je vous ai bien compris et que vous seriez d'accord, par exemple, pour dire que oui, on peut, sur un sujet d'étude, avoir, pour le comprendre et bien l'étudier, avoir plusieurs approches conceptuelles et se servir de plusieurs concepts? Ou est-ce qu'il faut vraiment être, pour suivre Christophe Pébard et le caricaturer un peu, mais nous avions un peu de but, pour être franc, est-ce qu'il faut vraiment avoir absolument un point de vue et un parti pris? Une vraie question méthodologique. Ouais, non, ouais. C'est une bonne question, il me semble qu'il a... l'avantage d'avoir une approche, c'est que, un, on est rigoureux, deux, on sait expliquer ce qu'on voit. Donc on voit des phénomènes, on dit « Ah, mais c'est intéressant », et on sait pourquoi c'est intéressant, on sait dans quoi ça s'insère, et on connaît les enjeux. Oui, c'est ça, c'est qu'on s'enferme, on s'enferme. L'avantage de l'autre approche, c'est qu'on est souple, on n'a même pas une approche, on a un vocabulaire, un registre, une topique qui permet de parler de tas de choses intéressantes. Par exemple, je crois que c'est ce qu'a fait Thomas quand il parlait de magie. Il a vraiment beaucoup lu en anthropologie sociale britannique. Et vraiment, il dit, j'ai des termes qui sont utilisables, des concepts. Enfin, l'autre côté dirait que ce n'est pas des concepts, c'est simplement du style, des effets de style. Il se peut qu'on ait... Une voie moyenne, ce serait de lire beaucoup de manière théorique, de comprendre les enjeux et de dire j'ai une voie moyenne et je sais pourquoi je choisis les outils que j'utilise, même si parfois ça sera un peu biscornu, parfois ça va passer, et que tout cet appareil théorique sera dans les notes
mais de manière assez balisée pour que les lecteurs comprennent la nature des opérations. Sinon, on a un autre qui dit voir Foucault, mais en fait, ça n'explique rien. Il faudrait vraiment que les concepts soient déployés de manière assez souple, mais assez explicite, pour qu'on comprenne ce qu'on est en train de faire. Sinon, en fait, c'est des effets de style, c'est simplement des termes. Mais Paul Bell, dans son, quelque part, est-ce que c'est dans Comment on écrit l'histoire, une description de comment Paul Venn lit la sociologie américaine. Il la feuillette, et de temps en temps, il dit « Ah, ça, c'est une expression intéressante. » Et il la note, et il s'en resserre. C'est une autre approche. Tu posais la question de l'usage cosmétique des concepts. Si je peux me permettre un élément de discussion, tout dépend aussi du registre d'écriture scientifique, parce que lorsqu'il s'agit d'importer un concept dans une discipline, un concept des sciences sociales en histoire, par exemple, il peut y avoir aussi le choix délibéré de surligner, d'insister sur ce point pour créer le débat. Voilà, donc c'est aussi une question de positionnement dans le champ et dans l'historiographie qui peut expliquer qu'à un moment, on soit attaché à une grille d'analyse. Alors ça peut être dans le champ du concept, ça peut être aussi dans l'approche. Tu évoquais tout à l'heure le livre de 93 de Kurt Sherwin-White qui a totalement déplacé le centre de gravité du royaume séleucide. C'était un livre pamphlet, un livre scientifique, mais aussi un livre pamphlet qui venait secouer l'historiographie en place et qui peut, même s'il est critiquable sur le fond, avoir une utilité intellectuelle dans le sens où il vient voilà, bousculer une sorte d'équilibre ou de ronronnement. Je ne sais pas où on en est maintenant en sciences sociales, c'est-à-dire en France, par exemple, ou dans le monde. Qu'est-ce qu'on lit ? Qui sont les maîtres à penser ? Ou quels sont les débats actuels ? Il me semble qu'il y aurait eu, en tout cas dans notre discipline, qui est petite, qui est en retard, qui a ses cavales de chapelle particulières, qu'il y avait un moment où en fait, tout le monde parlait plus ou moins la même chose. Je ne sais pas de quoi on parle dans notre discipline à présent, et je ne sais pas de quoi on parle en sciences sociales plus généralement. Quels sont les débats sociaux ou les débats intellectuels qui, en fait, sont d'actualité ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour. Bonjour. Oula, pardon. Du coup, je voudrais revenir sur un concept que vous avez évoqué, un peu plus précis dans l'histoire. Vous avez évoqué la présence d'une culture militaire potentielle dans les cités grecques. Et je voulais vous poser une question vraiment technique. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur un potentiel patriotisme dans les guerres des Diadoques, dans la première partie des guerres des Diadoques ? Est-ce que vous pensez que les soldats se battent par patriotisme ? Est-ce qu'on leur présente une image de patriotisme pour leur faire la guerre, entre guillemets ? Si on lit le... Il y a deux textes qui me viennent à l'esprit. Un, c'est les... Enfin, mettons Arien, par exemple, sur les récits des guerres d'Alexandre, qu'un cœur, c'est toujours beaucoup plus difficile, parce que c'est plus bordelais, c'est plus... les motivations sont beaucoup moins claires, mais dans Arien, les Macédoniens sont toujours donc hyper mobilisés. Donc Alexandre dit couper, chacun coupe 100 bouts de bois, oui, on y va, et tout se dresse, et les Macédoniens sont terrassiers, soldats, marins, enfin, ils sont, semble-t-il, toujours dans un état d'énergie constante. Alors, Rémi Saoud, dans sa thèse, parle aussi très bien de la représentation des Macédoniens dans Polybe, où Philippe est jamais en hiver, ils font des campagnes, ils sont toujours prêts à tout. Et il me semble qu'il y a certainement une identité ethnique ou une culture, une culture militaire, une culture patriotique, une culture unitaire des Macédoniens, qui sent qu'ils sont invincibles, qui sent qu'ils se doivent au chef, et que le chef lui-même donc, a une bonne représentation, même si il y a toujours des fissures dans ce système, hein, mais on voit un système qui est politique, et qui est aussi patriotique ou national. Alors, est-ce que ça a survécu à 323, où dès la mort d'Alexandre, il semble qu'on voit donc,
le système s'est fissionné en état de petits groupes qui ont leurs propres intérêts, je ne sais pas. Mais on voit, n'est-ce pas, on voit bien quand même les assemblées de l'armée où ils disent il faut que veulent les Macédoniens, que veulent les rois. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs foyers qui peuvent prétendre à représenter ou la représentationnalité de l'intérêt des Macédoniens. Donc il y a les rois, il y a l'armée, il y a les divers contingents de l'armée. Il me semble que c'est une réalité beaucoup plus fusionnée, fissionnée, et qu'en fait ça peut expliquer les tensions politiques et les désordres des premières guerres des dialogues. On serait passé en fait d'une culture ethnique ou ethnique nationale concernant la Macédoine à quelque chose qui relève plutôt du charisme d'une monarchie en fait. Voilà, Weber, la théorie. Weber ou l'anthropologie avec la notion de big man. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Ok, on entend. Alors, vous avez parlé des statues et vous avez étudié les statues dans votre livre qu'on voit là. Et cette image qui est sur le livre, c'est très impressionnant de voir combien de statues il y a dans cette rue. Et dans notre perception de l'antiquité grecque et romaine aussi, la statue a vraiment une place importante. C'est une des choses auxquelles on pense quand on pense antiquité. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi cette concentration sur les statues? Pourquoi est-ce que la statue est si importante? Est-ce que c'est par un biais de source ou est-ce que c'est notre perception? Et sinon, qu'est-ce qu'on peut en tirer sur le monde grec si on regarde les statues? Merci. Non, c'est une très bonne question. En fait, c'est la question à laquelle j'aurais dû répondre et à laquelle je n'ai pas répondu dans mon livre. C'est quelle serait l'histoire culturelle des statues? Pourquoi c'est important des statues? Pourquoi est-ce qu'on rêve de statues, par exemple? Le rapport entre religion et statues, par exemple. J'ai pas de réponse. J'ai pas de très bonne réponse. Ça me semble que c'est vraiment la bonne question. Simplement, dans le domaine politique, la statue est un instrument pour des rapports entre société et individu, et qu'il faudrait l'insérer dans une interrogation plus large sur ce qu'est la statue. Je pense que c'est la bonne question. Je ne sais pas, il faut attacher les ceintures, je pense. Oui, une question supplémentaire. Bonjour, je ne sais pas si ma question va être plus compréhensible, mais je me rappelle qu'en France, enfin, on a étudié le devoir de mémoire, et en ce qui concerne les statues, je pense que elles font partie du devoir de mémoire, mais je ne sais pas si pour vous, le mouvement woke qu'il y a eu aux USA pourrait facilement toucher la France, vu qu'on a un devoir de mémoire assez important. Je ne m'entends pas trop. Je pense qu'en France, on pourrait peut-être plus voir l'utilisation des statues comme les Grecs, vu qu'on a un devoir de mémoire important, et être moins touché par le mouvement woke en fait qu'aux USA. C'est peut-être que les États-Unis sont une société plus fracturée. Enfin, plus communautaire, comme on dit en France, notamment à cause du problème de la race et de l'esclavage et de ses séquelles. Donc, c'est pas une société unitaire et c'est également une société plus individualiste. J'ai pas de bonne réponse à ça, mais j'ai jamais entendu cette expression, le devoir de mémoire, dans un contexte américain.
sauf peut-être pour l'Holocauste. Bonjour Monsieur Ma, merci pour vos interventions d'aujourd'hui et d'hier déjà. Alors pour commencer, donc, j'ai travaillé pour mon mémoire sur les représentations familiales à Delphes et à Délos. Et il y a une question que je me suis posée donc, par rapport à votre ouvrage. Est-ce que vous... Je peux parler comme ça peut-être. Est-ce que vous vous dissociez donc, de l'article notamment de Brigitte Hinson-Bolen qui donne, qui définit l'origine de ces statues par le Philibéon de l'Impie, les monuments en fait des dynastes hellénistiques. Est-ce que, et dans votre ouvrage, j'avais l'impression que vous nommiez vraiment le début de cette pratique à Athènes vers la première moitié du IVe siècle. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec l'influence qu'elle donne aussi importante en fait à ces monuments dynastiques hellénistiques? Alors, pour la représentation familiale, au niveau de l'historiographie, j'ai trouvé un article de Brigitte Hinson-Bolen qui est paru dans le journal de l'Institut archéologique allemand et dans lequel elle explique qu'une grande partie des monuments familiaux des élites des cités se sont développés à partir de ceux des dynastes hellénistiques, notamment le Philibéon d'Olympie, le monument des Progonoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie ou, parce que j'ai pas réussi à la retrouver précisément dans votre livre, donc, Est-ce que c'est l'article de Hinson-Bolen 90, c'est ça? Oui. Je ne suis pas sûr qu'il faille voir une filiation directe, en fait. Que ça fasse partie du paysage culturel plus général, oui, certainement. Mais j'ai plus l'impression qu'il s'agit de dynamique de famille à Athènes. Alors, il y a un livre, un très grand livre qui vient de sortir de Sally Humphries. Sur le principe familial à Athènes, que vraiment les familles sont très très importantes et que c'est un des... Enfin, les familles, la propriété, c'est vraiment peut-être les questions principales de la société athénienne à l'époque. Donc je verrais plutôt des dynamiques endogènes que l'influence des dynastes. Ok. Et j'ai également une question donc un peu plus archéologique sur la nature des supports. À la fin de mon étude, est-ce que vous considérez les exèdres comme le support privilégié pour les groupes familiaux qui justement font créer une sorte de micro-segmentation presque dans l'espace, dans les espaces qui je pense notamment à l'air, à Delphes ou ce genre d'endroits? Oui, je pense que oui. Je ne comprends pas bien comment fonctionnent les exèdres parce qu'ils ont ce petit banc. On est censé s'asseoir, donc on a des monuments, on sait qu'ils sont importants, mais de les imaginer dans leur fonctionnement est beaucoup plus difficile en fait. Beaucoup d'archéologues allemands aiment s'imaginer que les familles s'asseyaient là dans des processions et qu'on voyait le grand-père et le petit-fils vivant à la statue. Mais en fait tout ça c'est de la science-fiction, on ne sait pas en fait comment fonctionnait ces choses en pratique. Peut-être que les flâneurs aimaient s'asseoir là, et qu'ils devaient jouer au dé, au pied des grands familles, on ne sait pas. Donc c'est un support important, mais on ne voit pas exactement en quoi ils sont importants. Et peut-être une dernière question pour terminer en rapport avec le programme de l'agrégation de cette année. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de retrouver des monuments familiaux dans les nouvelles cités créées par les dynastes hellénistiques, la Tétrapole séleucide par exemple, et que ces monuments pourraient être témoins d'une identification à la famille grecque, enfin au monde hellénistique, on va dire. Alors ça, c'est vraiment une très très bonne question. Est-ce que les élites des nouvelles cités s'affichent avec cette technologie? Je ne suis pas sûr, parce qu'en fait, le boom des statues familiales, c'est un truc quand même du troisième, deuxième, où les statues des cités neuves sont plus tellement neuves. Donc ce serait intéressant de voir, c'était vraiment une bonne question, de voir le problème de la représentation familiale dans les nouvelles cités, ou bien au contraire, si les nouvelles cités ne sont pas propices à ce genre de... Si les familles font partie en fait du jeu, comme ça, des masques, des élites dans les vieilles cités. C'est vraiment très bonne question. Vous pouvez répondre, d'ailleurs, c'est une très très bonne question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sébastien.
je m'excuse par avance pour ceux qui n'auraient pas lu certains de vos travaux, pour avoir beaucoup abusé et usé votre page Academia. J'ai deux choses qui m'ont interpellé. La première, parce que je ne l'ai pas comprise, c'est un article que je n'ai pas compris et j'aime pas passer à côté de quelque chose, c'est Paradigms and Paradoxes. Les paradigmes et les paradoxes. Je suis arrivé où à la fois j'étais fasciné par quand je le lisais et à la fin, je me suis dit, mais so what? Enfin, qu'est-ce que j'ai pas compris et qu'est-ce que vous vouliez démontrer dans cet article? Parce que j'ai l'impression d'être un idiot. Voilà. Expliquez-moi, est-ce que vous voulez... Ça fait deux ans que j'attends que vous rencontrez pour vous m'expliquer Paradigms and Paradoxes. Mais c'est une très bonne question parce que c'est la réaction qui a accueilli ce papier lorsque je l'ai donné à Paris en 2004. Mais il se fout de nous, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est une bonne question. En fait, d'autres réactions étaient, mais oui, c'est un très bon article, puisque l'époque linguistique est pleine de paradoxes et de paradoxalité. Ce n'est pas ce que je vais vous dire non plus. C'est simplement que des phénomènes qui ont l'air paradoxaux, à première vue, peuvent très bien s'expliquer par des dialectiques, des dynamiques. Donc, selon les questions qu'on choisit de regarder, et qu'à la fois elles sont présentes et créées par le spectateur. Mais que ce n'est pas particulièrement hellénistique que l'époque archaïque est pleine de paradoxes. La démocratie athénienne est complètement truffée de paradoxes. La cité grecque est pleine de paradoxes. Alors, par exemple, on dit, le verger ne fait que du bien parce qu'il est intéressé, mais en même temps, il sert le sulfuron, ta sulfuronta, les intérêts de tout le monde. Tout est plein de paradoxes, il faut simplement essayer de trouver en quoi ces paradoxes peuvent fonctionner sans que tout s'arrête. Et que pour l'époque hellénistique, il y a une manière de les comprendre. Voilà. D'accord, donc en fait, le paradoxe est le propre de l'humanité, donc il n'y a pas de... Oui, enfin, j'avais bien compris votre article. Mais parfois on attend, notamment en France, effectivement, on attend une chute à un article et comme une définition ou une clause finale, et en fait c'est sans doute ce qui a dû dérouter les gens en 2004. Et l'autre chose, il y aurait beaucoup à dire sur les lectures, enfin sur tous de nombreux articles, mais là c'est un tout petit quelque chose que j'avais trouvé sur votre page d'Academia. Et je crois que ça s'intitulait Comment ou pourquoi je suis devenu historien, qui ressemblait à un PowerPoint qui avait dû passer en PDF. Et là c'est une question plus personnelle, presque intime. Et j'ai eu l'impression que vous donniez à voir ce qui, quand vous étiez jeune ou un enfant, a pu vous motiver pour devenir historien. C'est quelque chose qui vient de très très loin chez vous, dans cette communication, enfin, qui était aussi très... Il y avait beaucoup d'illustrations dans cette communication. Et est-ce que c'était ce petit garçon ou cet adolescent qui parlait à ce moment-là, qui était derrière vous? S'il y avait une espèce de storytelling? Non, ce n'est plus, c'est trop loin. Mais non, mais pour parler intime, le choix de faire des humanités, un, deux, de l'histoire, trois, de l'histoire ancienne, pour un chinois-américain, c'était pas évident. C'est plus évident maintenant, où beaucoup de mes étudiants sont en fait de la même origine que moi. Mais ce choix au départ était sans doute, j'ai eu une valeur de mascotte ou de curiosité dans beaucoup de contextes. Ça, il n'y a aucun doute. J'ai exploité ma chance jusqu'à la trogne, qu'il fallait bien en faire, on peut s'en bien comme on peut. Mais que ça a été un choix, effectivement. Un choix de faire le choix de la savonnette à vilain du grec au latin à Genève, le choix de faire de l'histoire grecque et latine. Le père d'un de mes amis qui m'a beaucoup aidé dans cette voie, qui est un avocat jeune voix, m'a dit, tu te souviens pas, mais tu me disais, ah là là, le grec et le latin, c'est formidable, c'est l'origine de notre civilisation occidentale. J'ai dit ça, moi j'ai dit, oui, j'étais tout à fait très enthousiaste à l'époque. Je ne peux pas dérouler ou déballer ces choix. Comment c'est bien tout ça. Merci. Une question. Bonjour.
Bonjour. J'ai une question concernant est-ce que, selon vous, il y a eu une transposition du royaume de Macédoine de Philippe II, qui a une culture et une tradition très, comment dire, qui regroupe plusieurs ethnies en un seul royaume. Et est-ce que c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans les royaumes diadoques qui ont un homme fort qui détient le pouvoir et qui arrive à maintenir un ordre et faire prospérer son royaume qui s'étend sur de très grandes... Ça, c'est une question vraiment intéressante, parce que on peut dire qu'une des composantes de la généalogie des royaumes hellénistiques, c'est l'empire achéménide, donc qui est multiethnique, mais qui a une ethnoclasse dominante, comme dit Briand, mais que l'autre composante généalogique, c'est le royaume téménide, qui est lui-même constitué de manière très complexe. Donc c'est un royaume, un conquest state, créé par la conquête, mais qu'il est hétérogène. Ça, c'est une question intéressante. Il me semble quand même que le royaume macédonien a un noyau ethnique beaucoup plus fort et qu'il a une... Donc entre les cités qui ont des institutions semblables, l'armée, la cour et le roi, qu'il est quand même beaucoup plus soudé que l'Empire achéménide. Et donc, s'il a été un modèle, il faudrait non pas voir la disparité, mais au contraire la constitution d'un noyau national ou quasi-national très fort. Mais c'est une idée intéressante que la disparité même du royaume téménide en a fait un modèle possible pour les royaumes, pour les états hellénistiques. C'est vraiment une bonne question, une piste à suivre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est dommage parce que les conditions sont meilleures. bon, nous avons retenu près d'une heure et demie, mais pour notre plus grand plaisir, je saisis ces derniers instants pour, au nom de la Revue des études anciennes, te remercier à nouveau de nous avoir accordé ce temps de discussion. On a pu voir la diversité de tes centres d'intérêt, la richesse aussi de tes approches, nourries d'une connaissance très intime des sources anciennes, mais aussi de l'historiographie la plus récente, de la littérature et puis des champs de recherche qui même parfois nous éloignent un peu du monde grec, mais pour y mieux y revenir. Nous avons abordé beaucoup de sujets et c'était pour moi et pour l'ensemble des participants un grand plaisir de discuter de tout cela avec toi. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui ont participé aussi à cette rencontre.